Salut à tous, c'est Noignos, et si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, vous savez sûrement que je suis passionné d'informatique. Et cette passion, devinez qui c'est qui me l'a transmise? C'est mon papa ici présent. Bonjour papa. Bonjour. Voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas transmettre un peu cette passion moi aussi? Et on a trouvé dans la rue, enfin mon père a trouvé, c'est dans la rue, c'est bien ça? Dans une déch les gens qui mettaient ça à la déchetterie. Voilà Aux donc. encombrants exactement, c'est. Voilà. Donc on a trouvé ceci. C'est un Power Mac, donc il date de 2001, t'avais dit. Et on va l'ouvrir. Et personnellement, j'ai jamais ouvert de Mac, donc je sais pas du tout comment c'est fait à l'intérieur. Je suppose que ça ressemble pas mal à un PC, mais on va voir. Du coup, bah, c'est parti. Je précise que je ne l'ai pas ouvert. Mon père l'a ouvert, moi je ne sais pas Il était encore. attendu. Non, c'est normal ça, c'est l'écran. Ça suffit de tirer. J'ai l'impression de tirer sur un truc où il faut pas. Ah, faut faire autre chose aussi, visiblement. Oh putain! Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu un PC de l'intérieur, c'est. C'est un Mac. C'est une possibilité, en effet. C'est similaire tout en étant plutôt différent. Donc ici on a la carte mère, ça c'est la carte graphique, si je dis pas de conneries, ouais c'est là où on a relié le port. Ça c'est des nappes IDE. Non, Non c'est pas de l'IDE. c'est du SCSI, parce que tu as une carte SCSI ici, Ah putain. qui permet de piloter un lecteur ZIP. Les lecteurs zip, donc c'est ceci. Ça c'est de l'IDE en revanche. Oui, il y a deux disques en plus. Voilà un. Ça, c'est du Western Digital, je crois. Et en dessous, il y avait un IBM aussi. Je le sais parce qu'on a allumé pour voir ce qui est. Les spécifications. Donc, on a 1 Go de RAM. Il y a 3 ports. Oh, bah, d'habitude, il y en a toujours des nombres pairs. Bah, là, il y en a 3, d'accord. Ça, c'est probablement pour relier le lecteur ZIP. Non. Non? C'est quoi alors? Bah, si, ça remonte là. Ça va par ici. Non. Ah, c'est pour le lecteur. Non, c'est pour ici. Bah oui, mais tu vois, ça remonte là. Attends. Ça monte ici, puis ça va Ah oui, là. ça, non, c'est pour le lecteur CD. Lecteur CD. Voilà. Et le lecteur zip, c'est Et on va peut-être ça. le brancher, non? Parce qu'il était débranché. Ah. Ouais, mais devant. Si devant, il y a de quoi l'ouvrir, apparemment. Donc ici, donc c'est les barrettes de RAM. Là, on a trois cartes. On a ici une carte avec du FireWire et deux ports que je ne connais pas avec mon père non plus. Ça, tu m'avais dit que c'était du disque dur? Non, c'était la carte SCSI. On peut mettre des disques durs SCSI. Et sinon, tu mets un lecteur ZIP. Donc ici. Et ça, c'est une carte d'acquisition pour les signaux vidéo. Voilà, donc ici au fond, on a l'alimentation. Non, l'alimentation est là. L'alimentation est là. Là, Mais c'est alors, c'est pour. quoi? C'est juste un ventilo. Autant C'est un pour moi, oui, ventilo pour je vois au travers en pour plus. refroidir les cartes. Putain, parce que oui, ça devait pas mal chauffer vu comment c'était fermé. Et bon, on va le démarrer, je pense. On le démarre? On démarre. On referme. Hop. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Le fameux bruit. Hop, on va rapprocher un peu l'écran. Donc on savait déjà qu'il marchait vu qu'on l'avait déjà lancé avant. Attends, il y a le reflet de la softbox, ne va pas. Hop. Voilà, vous devriez mieux voir maintenant. Et donc on l'avait déjà numéré, regardez un peu ce qu'il y a dessus. Et cette vidéo va un peu faire office de prévention. Vous allez vite comprendre pourquoi. Comme vous voyez, il est très long à démarrer. Oh, il est assez vieux en même temps. Et donc, aucun mot de passe, rien. Et la pile est morte, visiblement. Là, vous voyez, il y a un message qui indique que l'horloge a été réglée, re-réglée, je crois, un truc comme ça, voilà. Non, il a perdu l'heure, tout simplement. Voilà, ça veut dire que la pile à l'intérieur de l'ordinateur est morte. Dans tous les ordinateurs, tous, dans la plupart, la grande majorité des ordinateurs, il y a une petite pile qui permet de faire fonctionner l'horloge. Et là, vous voyez Skype qui vient de se lancer.
absolument tout se connecte automatiquement. On n'a rien lancé, rien fait, on est juste appuyé sur le bouton. Et oh, un compte Skype avec de l'argent dessus. Et plein de documents. Et des trucs d'entreprise et des jeux. Et donc, quand je disais que cette vidéo servirait de prévention, c'est pour vous dire que... Bon, je vous traite bien sûr tous les noms. C'est pour vous dire que quand vous mettez un PC au rebut, déjà, essayez de le donner à une entreprise spécialisée. Parce que... Oui, un PC, un Mac, c'est aussi un... Oh, c'est similaire, c'est pas une technologie extraterrestre. N'oubliez pas de tout supprimer dessus. Parce que là, si je veux, je me connecte à Internet, j'utilise les crédits qu'il y a sur le compte Skype. Je peux récupérer n'importe quel fichier, faire ce que je veux avec. Donc il faut faire attention. Il n'est pas sécurisé. Voilà, il faut mettre, formater-le. Là, on voit les spécifications. On est sur Mac 10.5.1, qui est sorti en 2007, visiblement, cette mise à jour. Et on a donc les spécifications, un processeur 867 MHz, PowerPC G4, voilà. Ce n'est pas d'Intel encore, hein, sur Mac. Hein. Et maintenant, tu sais qu'ils vont changer ? Ça ne va plus être de l'Intel ? Ils vont faire leur propre processeur. Voilà. Donc, bah c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Tu as quelque chose à rajouter ? Pour l'instant... Donc on va sortir de là. Ah. Là, on va regarder s'il y a où est le lecteur zip. C'est ce qui m'intéresse. Donc partager. Donc ce que vous voyez, c'est que regardez tous les documents qui sont restés. Voilà. Que le client a laissé. Enfin que le client. Que la personne qui a abandonné son PC a laissé. Ainsi que on voit son nom. Mais bon, aussi ici. Voilà, donc je flouterai bien sûr les données confidentielles, mais juste pour vous dire, ne laissez jamais un PC au rebut avec des documents importants, avec des choses personnelles, parce que n'importe qui le récupère, le rallume et fait ce qu'il veut avec. Donc, soit il y a des entreprises spécialisées qui récupèrent ces PC pour gratuit et les nettoient totalement. Soit vous le faites vous-même et il n'y a pas de... C'est beaucoup plus sécurisé comme ça. Voilà. Alors pour info, ce Mac se revend maintenant, en 2020, 80€. S'il ne marche pas, là, il fonctionne. Donc j'ai été sur eBay, j'ai été me balader. Et avec un OS fonctionnel, je dis bien avec un OS fonctionnel parce qu'il y en a qui les vendent sans OS, ce Mac vaut encore 150€. Voilà. Donc, ne jetez pas l'argent par les fenêtres non plus. Parce que c'est des PC, c'est des Macs qui sont collector. On les appelle des Macs vintage. Voilà, et on n'a absolument rien fait dessus. Hein. On l'a rapporté, on a branché, comme vous voyez, on a mis une alimentation aléatoire, une souris, un clavier, un petit écran, et tout fonctionne. On n'a rien eu à faire de spécial. Et là, je charge le son et il n'est pas dégueu. Vous allez écouter. Un autre son ? Non, mais c'est... Voilà. Donc, on va nettoyer tout ça. Puis on va le revendre, je pense. Il y a des chances. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vais essayer peut-être d'en faire d'autres du même genre pour transmettre un peu cette passion de l'informatique qui sommeille dans chacun d'entre vous. Donc, je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais un dernier mot pour la fin, peut-être ? Non. On va déjà regarder ce qui est possible de faire. Si on peut l'upgrader. On ne sait jamais, on peut mettre au-dessus de 10.5, je ne sais pas. Ça serait bien. Voir comment on peut le formater, on va voir comment on peut faire. Voilà. Allez, salut.